Hello famille, c'est comment? C'est Iritor, j'espère que vous allez tous très bien. Moi je vais bien, Dieu fait grâce. Cette vidéo là, c'est pour parler des Bordeaux les Koffars et de la colère de Mix Premier et de DJ Kérosène. Oui, deux artistes très énervés. Vraiment, 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 vraiment très énervés. Ils ont reçu trop de frustration, ils ont entendu trop de choses. Ce qui a provoqué cette colère là en eux. Mais on va parler aussi du Bordeaux les Koffars, juste après le générique. Ce qui arrive, ce n'est pas du jeu. Ce qui est en train de venir, ce n'est pas du jeu. Ce que Bordeaux est en train de préparer, c'est du lourd. Je ne suis pas en train de vous blaguer. Je suis en train de vous dire ce qui va se passer dans ces jours à venir. Pour ne pas dire dans les mois qui arrivent. Là. Vous serez épatés. Très, très étonnés. Alors, c'est pas après le générique, c'est mieux. Bonjour tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. C'est votre humble serviteur. En tout cas, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner et puis si t'es content, lâche-moi un pouce bleu, partage. Bon retour. La Reine News a son lien toujours disponible dans la description. Merci pour votre soutien. Qui sont ceux qui sont déjà allés sur son site web de son ONG Intégration et Développement? J'espère que vous êtes nombreux. Il faut soutenir les bonnes actions, les belles initiatives. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas que le showbiz sur la chaîne d'Héritor. C'est pourquoi souvent je viens vous parler de certains artistes ou bien de certains business. Apprenons à nous soutenir vivants. N'attendons pas seulement les clashs, les buzz, pour entendre ce qu'Héritor va dire, ou bien pour entendre ce qu'Héritor a révélé. On se comprend? Je vous conseille depuis un moment aussi un recueil. Un livre spirituel, l'éveil spirituel à la lumière du Saint-Coran, du maître Ahmed Balaghi. Vous prenez ça pour du jeu, vous négligez. Après, vous plaignez que ça ne va pas ici, ça ne va pas là-bas. Dieu ne descendra pas du ciel pour vous aider. En plus de vos prières là, il faut maintenant vous bouger. Voilà, il faut aller vers votre réussite, il faut aller vers votre accomplissement. C'est de ça qu'il s'agit et c'est pas ce genre de livre là. Voilà. Vous avez une interprétation autre de ce que vous savez de ces versets coraniques-là. Tous les aspects de la vie sont abordés là-bas. Bon, comme c'est ce dont je vais vous parler qui vous intéresse, je vais rentrer dans le vif du sujet pour ne pas trop vous emmerder. En tout cas, le lien de la Reine News est dans la description. Et le livre, L'éveil spirituel à la lumière du Saint-Coran du Maître Balaghi est disponible dans toutes les librairies de France et à la librairie africaine que nomme Sisamagori en face de l'église Sainte-Thérèse. Cependant, on parle maintenant de la colère de Mix Premier et de DJ Kérosène. Vous savez, depuis la disparition de la Titi Jarafat, il y a beaucoup, beaucoup de discours. Et ce n'est pas faux pour ce qu'on voit réellement. Mais en fait, en même temps que vous parlez, en même temps que vous dites beaucoup de choses sur ce coupé décalé, là, vous faites beaucoup de frustrés, pas seulement dans les rangs des fans d'artistes, mais chez les artistes eux-mêmes. Il y a des artistes comme Mix Premier et Kérosène qui ont décidé de vous répondre de plus belle, avec une colère musicale. DJ Kérosène, il est déjà sorti. Avant qu'il sorte, vous avez vu un peu comment les vidéos démo sur son dernier tube, L'Élu, ont inondé la toile. Et je pense qu'il y a seulement 2 jours, il a sorti le clip officiel de L'Élu sur sa chaîne YouTube, qui comptabilise en seulement 2 jours plus de 330 000 vues. Pour un artiste francophone, surtout ivoirien, c'est à applaudir, c'est énorme. Quand vous écoutez L'Élu de Kérosène DJ, c'est vrai que le coupé décalé est en difficulté. Mais vous n'êtes pas content. Vous n'avez pas envie de chanter le morceau avec cet artiste-là. Est-ce que ce n'est pas un morceau qui est chic? Est-ce que ce n'est pas un morceau parlant? Est-ce que ce n'est pas un morceau de relève? Vous avez mis en colère DJ Kérosène. Par ricochet, vous avez mis en colère aussi son arrangeur qui n'est autre que Baby Philippe. Vous avez entendu, vous avez bien écouté, vous avez vu un peu le résultat. Mais plus loin, on parle aussi de Mix Premier. Mix Premier qui est revenu au rythme pur coupé décalé. Voilà. Pour l'instant, il n'est pas encore sorti, mais ça promet. Son featuring avec Yaoundé se comporte très bien. Il a un dernier morceau qui va sortir dans pas longtemps. Touche. Touche un peu ici, là. Tu vas sur TikTok, tu vois les vidéos. Tu vas sur Instagram, tu vois les vidéos. Tu vas partout sur les réseaux sociaux. Ce sont que les morceaux de Mix Premier et de DJ Kérosène qui sont en train de bouillonner la toile. J'ai dit,
tous ceux qui ont dit que le coupé décalé est mort, là, ils vont se rallier petit à petit. Parce que j'ai envie de vous dire quelque chose. C'est vrai que le coupé décalé est en baisse. Ça, je le reconnais. Mais ce sont des observateurs qui disent qu'il est en baisse. On est d'accord. Mais les personnes qui font les démos sur les morceaux des artistes, là, bon, ce ne sont pas des fans du coupé décalé ou bien ils le font juste pour faire plaisir aux artistes. Parce qu'il y a quand même beaucoup de démos hein, sur le dernier hit de DJ Kerosene et de Mix Premier. Et le son des Mix Premier, je sens qu'il va cartonner. Il va cartonner de ouf même. Ce n'est pas de l'amusement, ce n'est pas du jeu, ce n'est pas du baratin. Ce n'est vraiment, vraiment pas du baratin. En tout cas, vous avez énervé les artistes coupé décalé et ils ont commencé à se mettre au travail. Que ce soit au niveau musical, que ce soit au niveau de la production audiovisuelle. Vous avez vu les derniers clips de Kerosene. Un clip réalisé en 8K. Vous avez vu la résolution des images de ce clip-là. C'est pour vous dire qu'ils ont envie de vous faire plaisir. Mais il faut arrêter de les critiquer. Il faut arrêter de les rabaisser. Il faut les encourager. À vous faire danser. À vous mettre la joie dans votre cœur. C'est très important. Voilà. En tout cas, actuellement, là, je suis très fier de DJ Kerosene et de Mix Premier qui répondent de plus belle à toutes ces personnes-là qui pensent que le coupé décalé va plus exister. Maintenant, parlons du départ d'Oly Koufa. Bon, le départ d'Oly Koufa est un artiste un peu bizarre. Je vous le dis toujours pour rigoler. Mais il est bizarre parce qu'il est vraiment talentueux. Ça, on le sait. C'est pas à discuter. Mais ce que vous devez savoir, c'est que depuis que le départ d'Oly Koufa est venu en Côte d'Ivoire, je ne sais pas si c'est dans la quête de la préparation de son album ou bien dans l'optique de préparer son album qu'il passe toutes ses journées en studio. Mais il ne fait que ça depuis son arrivée. Il ne fait que des studios depuis son arrivée. Même si c'est pour son album là. Soyez-en sûrs qu'il y a trois tubes qui sont en train de venir. Il les avait annoncés il y a longtemps. Mais comme vous savez très bien ce qui s'est passé entre lui et son ex-arrangeur Baby Philippe, et il est obligé de se reconvertir lui-même en arrangeur et d'aller voir d'autres arrangeurs. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ça promet. Son silence ne sera pas vain. C'est vrai qu'il est long. C'est vrai qu'il est... Il est exaspérant. Mais ce silence, ça ne sera pas long. Parce que quand il va sortir les œuvres là, vous allez dire, oui, Desbordeaux, tu es fort. Et on comprend pourquoi tu aimes prendre ton temps. Même si ça ne nous plaît pas, hein, on comprend. Parce qu'il y a du lourd. C'est une nouvelle version de Desbordeaux Oly Koufa. Loin des clashs. Focus sur son travail. Vous n'allez pas le regretter. Parce que ces journées et ces nuits blanches qui passent en studio là, c'est pour vous répondre de plus belle. C'est pour vous dire que même si je ne peux pas faire comme mon ami DJ Arafat, même si je ne peux pas mener ce coupé décalé comme mon ami DJ Arafat, je vais vous obliger à reconnaître que le coupé décalé est en train de sortir la tête de l'eau. Et avec autorité. Voilà, je ne suis pas en train de vous dire aussi, parce que vous avez tellement de mauvaises interprétations en vous, que c'est Desbordeaux qui va venir soulever le coupé décalé. Non, tout à l'heure, vous avez parlé des Mix Premiers et DJ Kerosene. Mais je suis en train de vous dire que Desbordeaux, depuis qu'il est arrivé, là, il passe toutes ses journées en studio. Et vous aurez les nouvelles dans pas longtemps. Ça a sorti progressivement comme ça. Vous allez vous asseoir, vous allez dire, ouais, Desbordeaux, tu es un chef. Tu nous as convaincus. Nous savons que DJ Arafat, de sa place où il est là, il est fier de toi. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous ai dit ça aujourd'hui, non? Notez pour garder. Moi, j'annonce tout, depuis ça arrive. Vous ne le réalisez pas, hein, mais j'annonce tout, depuis ça arrive. De toute façon, Desbordeaux va vous surprendre. Vous allez dire, ah, mais mon voilà même ici. Gaspien, rentre en studio tous les jours pour nous faire danser comme ça. C'est Desbordeaux Oly Koufa. C'est un monsieur à hit, ça faut le reconnaître. C'est-à-dire, il peut sortir un morceau, tu as dit qu'il n'est pas intéressant. Hein. Mais quand tu es chez toi, la maison, tu as écouté, tu dis, waouh, le méga, il est vraiment dangereux. Il est vraiment hyper fort. Ça, c'est du Desbordeaux, ça. En tout cas, vous aurez les résultats du studio dans pas longtemps. Merci d'avoir regardé la vidéo et partagez-la.